fer entre le gouvernement du Burkina Faso et l'UCI, l'Union cycliste internationale. Ouagadougou a protesté contre le retrait de son tour national du calendrier de l'UCI. Cette décision de l'UCI a été prise en raison de la présence de coureurs russes au départ de la course. La 35e édition se déroule actuellement. La correspondance régionale de Macamara. Coup de tonnerre sur le Tour du Faso. La 35e édition, l'une des plus grandes courses cyclistes d'Afrique de l'Ouest, a été rétrogradée au rang simple de course nationale par l'Union cycliste internationale, UCI. En cause, la présence de l'équipe russe CSKA Moscou, pourtant bannie des compétitions internationales suite aux sanctions contre la Russie et la Biélorussie. Malgré les avertissements, les maillots russes armés étaient bien sur les lignes de départ. Pour Bazoumoua Bazier, ministre burkinabé de la fonction publique, cette sanction est une atteinte à la souveraineté du pays. Il martèle que le Burkina décide seul de ses invités et que le tour du Faso appartient d'abord au burkinabé. L'endroit de l'ensemble des pays qui n'ont pas encore compris notre orientation vers notre souveraineté, notre indépendance, que ce ne sont pas des rêves, ce ne sont pas des cauchemars. Nous invitons ceux qui dorment toujours à se réveiller. Il n'appartient pas à un pays de nous indiquer qui on doit inviter, qui on ne doit pas inviter, qui doit prendre part, qui ne doit pas prendre part. Donc c'est d'abord le Burkina Faso avec l'ensemble de ses amis. C'est lui qui veut venir, il respecte nos règles. Cette affaire met donc en lumière la tension entre les règlements sportifs internationaux et la volonté d'indépendance affichée par le Burkina.